Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, tout simplement, je vais vous présenter donc mon cra, qu'est-ce que je dis? Moi, la vidéo elle commence très bien. Mon Enyrypsa, tout simplement. Donc, Enyrypsa feu soin. Donc, vraiment, j'accentue le soin parce que c'est un Enyrypsa vraiment qui a quand même une capacité de soin qui est plutôt énorme. Et voilà, donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer tout simplement par le stuff et les caractéristiques. Donc, niveau stuff, tout simplement, on va partir donc sur une couronne de Nidas. Donc voilà, j'ai classique sur une petite voile d'encre, sur une ceinture séculaire. Attendez, je vais mettre le cram-cram sur des bottes innommables qui sont des bottes tout simplement juste magnifiques. Hein. Ça peut monter jusqu'à 15 de soins, je crois. Par contre, 18 au feu max, hein, ouais, 18 au feu, des bonnes résistances, 500 vita, 100 intel, c'est plutôt énorme. Ah ouais, il manque de la sassa par contre. Donc voilà, un petit cram-cram classique. Donc ensuite une amulette automail, voilà, je préférais mettre l'amulette automail par rapport à l'amulette séculaire, sinon j'aurais eu un deuxième bonus de panoplie et j'aurais pas pu mettre les nouveaux trophées. Un anneau Nidas PA, bon, il est certes dégueulasse, mais étant donné que le mec avait dû se tromper, au lieu de le mettre certainement en 14ème, il avait mis à 1,450 000 millions de Kama, tout simplement. 1,450 000 Bon bref, vous m'avez compris. Bref, c'est vraiment n'importe quoi le prix, et puis il manque un peu de vita en général. Bon bref, on s'en fout. De toute façon, il va bientôt changer. Donc ensuite, un nanotique PM pour un feu, il est très très bien. Un plus mobile que je peux changer donc tout simplement avec l'archétype si je dois faire des colis ou des donjons où vraiment on a besoin de beaucoup plus de soins. Parce qu'à savoir qu'avec le lapinon en 13 PA, je peux foutre un coup des types et deux mots déroutants. Donc ça, c'est super cool. Donc niveau bouclier, un bouclier du cycloïde, pareil, parce que 20 de soins peut monter jusqu'à 25. De l'esquive PM, de la fuite, super pour un Enyrypsa. 15 dommages distance et les résistances mêlées, on va dire, c'est assez chiant quand vous êtes contre des yobs, si vous faites des colis ou quelque chose comme ça, mais en PVM ça passe plutôt bien. Niveau Dofus et trophée, je joue avec un Dofus Ocre, avec un savant guérisseur érudit, remueur ainsi que nomade. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, voilà, ici j'ai tout simplement quelques petits trophées. Donc ça dépend ce que je fais, voilà, si je dois prendre l'initiative par rapport à d'autres personnages, si je veux un peu plus de fuite. Bon, le Dococo c'est souvent pour les colis, mais ça peut servir aussi en PVM. Eucalyptus, No Moon, voilà, ça c'est le grand classique pour tout simplement dropper. Donc ensuite, voilà, niveau caractéristique, donc le mode classique, on va dire, que je joue le plus souvent. Voilà, j'ai 4300 de vita, je joue en 11 PA, 6 PM, par contre, je n'ai que 3 PO. Donc moi ça me gêne pas du tout, hein. C'est-à-dire que tous les donjons, la PO ne me gêne pas déjà parce que je joue avec un cra. Le cra permet de faire tir éloigné, donc permet à mon Enyrypsa d'avoir plus de portée. Et puis de toute façon en général, voilà, c'est moi alternatif, la PO déjà assez grande comme ça. Et puis voilà, de toute façon je vais prendre un exo PO certainement sur la couronne du Nidas. Je pense pas que ça coûte très cher, je pense que ça a coûté entre 12 et 15 M. Faudrait que je vois ça, et de toute façon voilà, un exo PO je vais être obligé de l'acheter. Donc ensuite voilà, donc 415 sagesse, bon c'est classique, hein. 1152 d'intel, voilà. Donc en stats j'ai réparti de cette manière là, c'est-à-dire 325 en intelligence et 295 en vitalité. Donc j'ai 1779 d'initiative et mon Yop a 1729. Et parfois selon la vita, c'est assez casse-couille. Donc je mets tout simplement où je full soin mes persos s'ils sont pas full soin. Ou alors si j'ai pas besoin de full soin, c'est pour ça que je mets donc le petit initiateur pour dépasser mon Yop en initiative. Même si je le dépasse de base, mais selon quelques combats. Parfois si on a perdu un peu de vita, vous savez, le Yop a plus d'initiative que l'Enyrypsa. Donc ensuite 4 invocations, bon c'est totalement, voilà, c'est useless, hein, mais bon, c'est toujours ça. Donc niveau retrait PA, 41, esquive PA 41, retrait PM 53, esquive PM 56, voilà, bof. Coup critique 28, je joue pas en Dofus turquoise, donc ça va. Niveau soins, j'ai 124 de soins, donc c'est là vraiment que ça va être vraiment pas mal. Donc 124 de soins, sachant que mes items sont pas full full soins. Je peux facilement monter à 130, 133, 134 de soins, je pense. Et voilà, donc niveau tacle, 31, fuite, 61. Et tout simplement, c'est pour ça que je disais que selon ce que je fais, c'est plutôt cool car je peux monter à 93 de fuite. C'est pas énorme, 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 mais ça reste très acceptable. Donc je vais acheter aussi un petit observateur, j'en aurai besoin peut-être pour de temps en temps, mais bon. Donc voilà, j'ai 100 de puissance, donc en plus des 1150 d'intel, ça fait 1250 d'intel, donc c'est plutôt pas mal. Dommage critique 15, je sais même pas ce qui me donne des dommages critiques, hein. Ouais, je crois que c'est séculaire peut-être, voilà. Donc ensuite voilà, donc 91 dommages feu, super cool, donc 15 dommages distance. Niveau résistance,
Je vais vous montrer tout ça en vous montrant un peu le personnage. Donc je vais pas prendre un push, je vais prendre un push 75 comme ça. Donc là. Donc niveau résistance. Je joue tout simplement donc avec 22% neutre, 35% terre, 22% feu, 32% eau et 42% air. Donc en fait, car moi tous mes persos PVM de temps en temps je fais quelques colis ou alors je m'amuse à faire des défis ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment toujours, mais toujours, toujours, toujours que j'ai des bonnes résis ou des résis plus ou moins acceptables. Bon voilà, c'est pour ça que mes résis sont comme ça. Donc niveau Rox. Niveau Rox, mot déroutant, no boost. Je suis donc entre 600, 670 et si je crit, je peux monter jusqu'à 770, sachant que j'ai 53% de crit. Voilà, donc 700, c'est plutôt énorme. À sélectif, je suis à 43% de crit et je tape en 347 et 426, donc c'est plutôt pas mal. Alternative, voilà, 33% de crit, voilà, je peux monter jusqu'à 457. Et des flamiches, je dois pas avoir beaucoup de pourcents, ouais, 33% de crit aussi, je suis entre 230, je peux monter à 333 si je lâche un petit crit. Mais ça, ça sera moins souvent. Donc ensuite, je vais vous montrer aussi le plus mobile. Donc plus mobile, c'est vraiment pas mal, hein. Plus mobile, je suis entre 934 et 1120. Ça, c'est plutôt énorme, hein. Sachant que je suis no boosté. Tout simplement, là, on va se booster cette fois-ci. Voilà. Et là, vous pouvez voir que les mots déroutants, on peut monter jusqu'à 915, donc c'est plutôt pas mal. La flamiche, on peut monter jusqu'à 400. Le sélectif, 510 et l'alternatif, 547. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme, hein. Donc je vais vous montrer tout simplement un petit tour très sympathique. Boum, boum, boum. Et là vous montez. Ah je crois. Je suis même pas sûr d'avoir montré le plus mobile. Non, je vais pas montrer le plus mobile du coup. Hop. Je vais montrer vite fait. Voilà, donc on est voilà. Entre 1260 et 1520. Donc autant dire que c'est plutôt. C'est plutôt assez fort. Hein. C'est vraiment assez fort. Donc vraiment maintenant ensuite je vais montrer un peu le mode soin. Donc le mode soin, le mode soin, le mode soin, je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc tout simplement, d'abord, on va le roxer. Hop, hop. Voilà, 1260 sur 12%. Ouais, c'est que dalle, c'est que dalle. On est d'accord, c'est que dalle. Donc là, 1145. Et peut-être une petite flamiche à 351. Ça va, je le kill pas. Donc on va passer jusqu'à ce que je n'ai plus l'autof. Voilà, on va passer. Et là, niveau soin. Donc le soin, il est vraiment pas mal, hein. Donc on est sur des déroutants entre 649 et 787. Donc si vous le faites x2, on est sur des mots déroutants tout simplement. Enfin, rien que 2 déroutants, on est déjà sur du 1402L. Donc c'est plutôt jouissif, hein, c'est clairement jouissif. Alternatif, on est entre 424 et 474. Ça aussi pour 3 PA c'est plutôt cool, surtout que la PO est assez bonne. Et sélectif en zone, on est entre 411 et 449. Et en bout de zone, je crois que je fais 300-320 en moyenne. En bout de zone, c'est-à-dire vers ici. Hein. Voilà, donc c'est plutôt, plutôt vraiment très très cool. Donc on va vite fait le finir. Je vais vite fait vous montrer tout simplement le mode avec l'archétype. On va savoir aussi que du coup, quand nous sommes dans les dimensions sous-marines et qu'on a besoin d'un muldo, tout simplement. Je place donc le petit muldo. Donc niveau muldo, j'ai mis un muldo tout simplement puissance et pourcentage feu car ce sont les résistances où j'en ai le moins. Et je mets souvent donc du coup un miraculé à la place du nomade. Voilà, un miraculé à la place du nomade. Donc c'est super super cool. Ça me permet d'avoir plus de vita, ça me fait économiser le nomade. Enfin bref, c'est super cool. Et je vais vous montrer du coup le petit soin à l'archétype qui est lui aussi pas négligeable. Voilà, on va faire ça. On va bien baisser niveau vita. Et ensuite, on va voir. Donc là, non, je vais me tromper de raccourci. Voilà, c'est ici. Hop, hop, boum, boum. Voilà, le Rox. Même le Rox en lui-même, quoi. Il est juste abusé, quoi. On va essayer de pas trop le baisser. Parce que sinon... Et voilà. Bon, on va éviter. Donc voilà, niveau soin, tout simplement. Donc à l'archétype, vous pouvez voir... que je suis bon en moyenne je peux faire jusqu'à quasiment 1600, un peu moins 1550 et minimum 700 plus ou moins. Voilà, je fais 1070, 1400, voilà, je peux monter jusqu'à 1550 et c'est vraiment du gros soin. Donc imaginez ça tout simplement avec le lapino.
Je peux donc faire après deux mots déroutants donc sur mon allié et un archétype plus deux mots déroutants, voilà, c'est en quelque sorte l'allié on le riconce, hein. Riconce, il se prend plus 3000 PV dans sa gueule, on le riconce et c'est voilà, c'est clairement encore une fois, c'est clairement jouissif, c'est un soin qui permet vraiment c'est voilà, vous avez même pas besoin d'utiliser la reconstitution. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. Donc elle devrait être postée dans les alentours, il est 11h40. Elle devrait être postée vers midi, midi et demi, le temps que je fasse la miniature. Et puis voilà, donc aussi c'était pour vous annoncer du coup que je reprends ma chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, pareil, à liker, à partager si vraiment la vidéo elle vous a plu. Et puis voilà, aussi je tenais à dire qu'aux 500 abonnés, pour l'instant je suis seulement à 160, même pas 157 je crois, ouais 157. Donc aux 160 abonnés, tout simplement, aux 160 moi, aux 500 abonnés je ferai un concours pour gagner 2 abonnements de moi sur Dofus. Donc voilà, ça sera super cool, je donnerai donc en Kama, donc après ça sera à vous de décider si vraiment vous voulez vous abonner ou si vous voulez vous servir de ces Kama pour faire autre chose. Donc je les donnerai moi sur le serveur E4 ou alors sur le nouveau serveur Meriana, ça dépend parce que j'ai aussi des Kama sur le serveur Meriana. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et moi je vous dis ciao bello.